Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Metamorphosis Live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Dans ton combat entre toi et le monde, seconde le monde. Partout au bateau, on peut y aller. Magnifique certificat, bravo. Vous pouvez embarquer. C'est vraiment vrai. Fini les tracasseries et les formalités. Pour qui vous prenez-vous? Un avocat ou un escroc du même genre? Pardon, je ne voulais pas vous vexer. Demande, ne cassez rien. Et interdit de sauter à bord. Je serai prudent. Merci encore pour votre aide. Attends, quand même, quand je regarde un drama. Salut Yannou, fait longtemps. Elle doit pleurer tous les jours, j'en doute pas. Qui parle. Je peux même pas sauter. Il a dit pas sauter, je peux même pas sauter. Oh, on arrive. On va arriver. Un humain qui s'est changé en insecte. Quel est cet endroit? Bon, ben c'est. Bonjour, bienvenue au Festival d'Ottawa. Le Festival d'Ottawa, le plus grand événement de toute notre ville, la ville. Le clou du spectacle cette année sera le premier du nouveau chef-d'œuvre de Maestro Tintorelli. Nous avons un peu de retard. Merci d'avance pour votre patience. Mais bien sûr, après un bar d'insectes dans un gramophone, pourquoi pas une ville avec un projecteur? Le cinématographe lui-même offre un spectacle des plus intéressants, n'est-ce pas? Pour te dire, Maestro Tintorelli a disparu, nul ne sait ce qui lui est arrivé. Cela dit, je me suis peut-être adressé aux mauvais insectes. Sans lui, tous les festivals de la projection ne riment à rien. C'est dommage. Vous pouvez peut-être faire quelque chose. Trouvez Tintorelli et je vous remets des clés de la ville. J'érigerai aussi moi-même une statue en votre effige. En fait, je me rends chez Tower. Tintorelli est conservateur chez Tower. Le projectionniste a un rôle d'une importance capitale. Si quelqu'un peut vous aider à rejoindre Tower, c'est bien lui. Je peux essayer. Où a-t-on vu pour la dernière fois? Tintorelli est généralement perché sur le projecteur. Il a de fréquents accès de mélancolie. Vous savez comment sont les artistes solitaires. Ils vivent dans leur tour d'ivoire, y compris misérable. Ils fréquentent le pub du coin quand ils broient du noir. À votre place, j'irai me renseigner là-bas aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Le film était horrible. Ça fait penser au film avec la bouche humaine. La télé tabarnak. Ça, c'est un film qui doit pas avoir de remake, même si c'était un excellent film à l'époque, là. Yeah.
Pardon, est-ce que par hasard vous connaîtrez Titorel? Et oui, il se trouve que je le connais. Et vous sauriez aussi où le trouver? Bien sûr. Mais les informations ne sont pas gratuites, soit qu'est-ce que vous voulez. Je propose un échange simple. Information contre information. Je veux que vous discutiez avec les soulards de ce lieu. Je vais leur avouer qu'ils agissent à l'encontre des intérêts de Tower. Très bien. Mais comment trois insectes et un bébé pourraient-ils nuire à Tower? Le moindre détail m'intéresse. J'en tirerai des preuves accablantes pour... Vous pouvez me croire. Accablantes? Alors ils vont avoir des problèmes. Non, pas du tout. Nous voulons être au courant, voilà tout. J'espère qu'il ne se passera rien de trop sérieux si je vous trouve quelque chose. Il ne leur arrivera rien de tel, mon garçon. Qu'est-ce que t'avoir à faire d'une bande de vieux soifards? Ils ne font de mal à personne, vous l'avez dit vous-même. Nous gardons simplement une trace écrite de nos citoyens. Vous voyez cela comme une inventaire. Ah, je comprends. Et voilà. Je dois apporter ma pierre hebdomadaire à l'édifice du renseignement. J'ai une famille à nourrir. Croyez-moi, aucun mal ne sera fait. Pardon, et vous, Titorelli? Non, mais si vous le trouvez, dites-lui qu'il me doit 4 tournées. L'incident, Titorelli avait des dettes. Je ne sais pas si on peut appeler ça une dette. Je lui ai payé quelques tournées. J'imagine que vous avez reçu ce prêt. Je lui ai payé un verre, c'est tout. Vous avez conscience de l'usure et illégale par ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste lui faire plaisir. Il existe différentes manières d'enfreindre la loi. Bon, monsieur. Mon Dieu, qui êtes-vous? Un simple insecte vendeur de maîtrise, bien le droit de commerce. Au revoir. Fuck you. Vous avez vu Titorelli dans le coin, un type qui raconte des blagues sur les Allemands? C'est un super compagnon de beuverie. Titorelli est un marrant, hein, ces fameuses blagues. Oui, celle sur les Allemands, ça me scie. Vous avez confiance que Tower est une organisation internationale? Quel rapport avec les blagues sur les Allemands? Je doute qu'elle soit du goût du Tower Dissolution. Ce sont tous nos partenaires commerciaux, mais elles ne sont même pas de moi, ces blagues. Non, mais elles vous font rire. Je reviens pratiquement au même. Ces blagues n'étaient pas si drôles que ça. Et voilà, seuls les coupables se sentent obligés de s'expliquer. Mais qui êtes-vous? Un simple insecte vendeur qui maîtrise bien le commerce international. Au revoir. Vous connaissez Titorelli? Oui, un grand artiste doublé. D'un grand buveur. Qu'est-ce que vous buvez là? C'est mon mélange personnel. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans la production illicite d'alcool? Quelle production illicite? De quoi parlez-vous? De quoi que vous venez d'admettre boire de... Du fait que vous venez d'admettre... Voyons. Du fait que vous venez d'admettre boire de l'alcool de votre cru, lâchez-moi la grappe. Pour ma consommation personnelle, je ne le vends pas. Le crime n'est pas de la vente, mais la production, mais il n'y a que moi que j'empoisonne. Néanmoins, la fabrication personnelle de l'alcool se fait au détriment des coffres de Tower. Puisque le droit d'acquise n'est pas perçu, alors je n'ai pas le droit de boire quoi que ce soit dont je n'ai pas payé l'assise. Exactement, mais vous êtes qui dans l'histoire? Je suis un simple insecte vendeur qui maîtrise bien le droit d'assise. Au revoir. Au revoir, là, qu'avez-vous appris que chacun de ces poivrons à une petite frappe, ça ne suffit pas. Vous deviez me donner du concret. Mais montrez-moi un insecte et je vous montrerai sans crime. Je suis tout antenne. Le premier de ces messieurs est coupable d'usure. Il a prêté Titorelli une somme non spécifique sous forme d'alcool. Je ne sais pas combien au juste, mais il pourrait s'agir de millions. Oh, voilà qu'il n'est pas très gentil de sa part. Le deuxième de nos chers piliers ridicules ridiculise les employés de Tower d'ascendance germanique. Fumier, mon oncle est de Prusse orientale. Et troisième, qu'est-ce que vous avez? Il fabrique de l'alcool illicite et ce faisant, il agit contre la trésorerie, à l'encontre de la trésorerie de Tower. Vous savez, en échangeant au droit d'assise. Merci infiniment pour vos lumières. Maintenant que vous avez de quoi les salir, nous pouvons les réduire en quasi-esclaves pour la gloire de Tower. Plaît-il esclave? Ça ne vous a fait pas pour ça. Ne vous en faites pas pour ça, mon garçon, des esclaves, c'est un facétie de ma part. Facétie, mais oui, sur ce, votre récompense. Parfait, où est Titorelli? Et ça vaut le plus carabiné des gueules de bois. Et récupère dans sa boîte de conserve. Merci pour votre aide. Et vous avez, pour ainsi dire, sauvé le festival.
Et c'est comme 4 places à garder, je vais où moi? Regarde le film, hein. Je sais plus où aller. Salut Grégor, qu'est-ce que tu fais ici? J'y vis. Formidable, il se trouve que j'ai un problème. Qu'est-ce que je peux faire? Je cherche Titoré, l'illustrateur de la mort. Manque. J'imagine, en général, il y trône au pub du coin. S'il n'est pas là, je ne sais pas, désolé. Demande peut-être à son assistant. Un assistant? Oui, les gens s'attirent tout le temps, les ennuis. Malheureusement, par exemple, là, il est en tôle. En tôle? Eh oui, il serait prêt à t'aider si tu le fais sortir. Bon, c'est une piste plutôt prometteuse, merci. Pas de problème. Pourtant, ton empressement m'a aidé, et toi aussi, tu m'aides. Des aides. Voyons, tu aides les autres, et puis tu me plais bien. Oh. Allez donc, trouvez Totoril et le mangeur d'anus. Ok. Comment je fais pour aller là, moi? J'avais eu de la colle, je m'en te dirais. Pas de colle. Par ici. C'est qui est là? Pourquoi il y a un œil là? C'est qui toi? Monsieur Titorilli! Nous sommes faits de la vaine substance dont se forment les songes. Et notre chétive vie est environnée d'un sommeil, c'est du Shakespeare, vous connaissez? Oui, j'apprécie tout autant que vous, maestro. Oh, eh bien, tant mieux. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens de la part du maire pour la projection. Vous pouvez repartir tout de suite, lui dire. Il n'y aura pas de projection, c'est inutile. Mais tout le village attend votre nouvelle œuvre. Nous vivons tout un même film que nous regardons sans trêve, sans jamais pouvoir le rebobiner, à moins que la pellicule ne rampe. C'est donc ça le problème, la pellicule a rompu. Non, mais je ne peux pas y accéder. Ils l'ont bloqué. Qui ça, il? Voyons. Les squatteurs, ils se prétendent artistes. Ils ont élu domicile dans le projecteur et bloqué la pellicule. Ah, bien, des squatteurs. Il faut donc les chasser pour récupérer la pellicule. Les chasser, oui. Je viens de m'en occuper. Quand seriez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider, maestro? Mon assistant peut-être. D'ordinaire, c'est lui qui gère les mondanités, comme les salles et les permis. Sinon, vous pouvez essayer de traiter directement avec ses primitifs, peut-être employer un moyen de pression. Je vais essayer l'un ou l'autre, comme si c'était fait. Caribou, il ressemble tellement à... Ah bah. Un chef-d'œuvre, moi. Un chef-d'œuvre.
côté. Autant, maudit tabarnak. Oh, je l'ai. Ah, si, je l'ai pas eu. Je savais pas qu'il y avait du vide. Bon. Dylan! Ouais, mec, tu viens nous rejoindre? Pas tout à fait, je viens pour le projecteur. Storyline ne peut pas allumer. C'est reporté avec ce titre, Rayleigh, le film n'est pas la seule forme d'art. L'art, la vraie, l'expression des souffrances de la pauvreté. Je n'avais pas compris que vous produisiez de l'art. Là, j'écris un monodrame sur l'hermaphrodisme de l'escargot. Comment gagnez-vous votre vie? Hermaphrodisme. Bonne hermaphrodite. Elle t'a parlé de notre subvention, une subvention, et le maire te l'autorise. Oui, papa m'a aidé. Je veux dire, le maire vénérable, vous dites que vous êtes le fils du maire. Le maire est un bon père pour tous les artistes, mais oui, ce n'est pas du népotisme, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, motus quoi. Je vous conseille d'évaluer le projecteur avant que je révèle votre petite combine. Rien ne vous forcera à partir d'ici, sauf si j'obtiens une décision administrative officielle. Je peux pogner ça, moi, une administrative officielle. Bon, on va aller en bas. Sors d'ici. Je vais pogner ça où, une affaire administrative officielle, moi, là? Ah, par là, peut-être? L'horloge. Ah, oh, c'est le site de la mairie. Bon, le maire est pas là. Putain! Pas cool ça, c'est... J'aime pas. Et les mots. Vous parlez quoi là? Vous mêlez, vous parlez trop. Hein? Je pouvais pas. Attendez, me disait un bout de la discussion. Et puis faire ça, ça donnait quoi là?
C'est même pas en haut, c'est moi qui en... Ça, c'est même pour quelque chose, je pense que c'est comme pour trouver des quêtes secondaires ou... Je pense qu'il est en bas le maire, en tout cas on va sauter en bas. Là. Et là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Nouveau sur la projection, on n'a pas le choix, hein. À moins de garder les pattes propres et la tête haute. Hop! Hop! Vous savez qui s'occupe de la projection? N'empêche, tu aurais de vrai. Des gamins? Et tout ce que ça vous fait? Vous ne devez pas envoyer la police à la Pal Game en profit, c'est quoi? Oups! Ce gamin, quelle tête de claque! Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Ma femme me tannait pour que je leur trouve une salle de répétition. Père mère, je vous comprends parfaitement. Mais n'arrête pas de repousser la première. Vous n'aurez pas le beau rôle dans le rapport de Titorelli. Soit je vais les transférer dans mon bureau. Après tout, on n'a pas besoin d'une place folle pour les répétitions de monodrame. Je suis Titorelli. Non, pas du tout. Je suis pas Titorelli, mais je l'ai. Je suis son assistant, non plus. Alors, je suis vous. Si je suis vous, vous êtes moi. Et je suis pas un farceur. Tiens donc. Je suis un homme sérieux, un astropode sérieux, je veux dire. Pourquoi cet air si sérieux? Des affaires importantes, du genre mon état, le mien, vous voulez dire? Non. Mais vous êtes moi. Dans vos rêves. Je ne suis même pas partie de cette communauté. Communauté, vous dites? C'est une grave accusation. Vous êtes communiste? Bon, je comprends rien. Avant ça, la nouvelle à Titorelli. Bon, mais Titorelli, c'est pas ici. Parle là, Titorelli. À chaque fois, tu fais... Ça me fait peur les hauteurs, moi. Titorelli, Titorelli, toi l'ami de Titorelli, t'es un insecte, l'air en asti. Oui, c'est toi l'ami de Titorelli. Maestro, j'ai réussi. La pellicule est évacuée. Ah oui, bien. Vous allez pouvoir diffuser votre dernière œuvre. Non, un autre problème. Dans le monde du cinéma, un artiste n'est pas autonome. Il lui faut la force physique, aussi primitive qu'elle soit. Il nous faut de la main-d'œuvre. Oui, pour opérer le projecteur. Nous avons besoin d'insectes solides et aussi crétins que possible. Sauriez-vous à qui je pourrais m'adresser, maestro? Maestro ne parle qu'aux muses. Oui, bien sûr. À votre place, maestro irait au marché. Merci pour ce conseil, je m'occupe du reste. Putain. Il est où ce petit marché là?
Je cherche deux idiots. Un idiot. Tu veux pas me parler. Toi l'idiot. Non plus, tu veux pas me parler. Mais y a pas de face là. Quoi? N'approchez pas du prisonnier, il y a rien à voir. Ou alors vous pourriez lancer des boucs entre le faible somme que je ferme les yeux. Maître Grégoire Senza, je fais partie du Tower Service Règlement Interne, hein? Qui êtes-vous? Je représente mon client, de quoi accuse-t-on l'assistant, et il est dessiné de moustache. C'était un affront de la majesté de la roi, le roi. Il avait des témoins, et bien moi, aucun témoin donc. Écoutez voir. Ici, je représente la loi, c'est moi qui décide ce qui mérite ce minage. Bien sûr, le problème c'est que vous avez enfreint la loi en détenant un évadé d'asile psychiatrique. Pardon? Et vous lui avez infligé des sévices, ça ne va pas du tout. Quoi? Il est taré, nous préférons le terme maladie mentale, mais oui. Ben très bien, amenez cette vermine, montez sur la tamponneuse et tamponnez ce document. Je m'occupe du reste, je vais le ramener là où il sa place. Et c'est contagieux? Non, sauf qu'il vous a bavé dessus. Pas fâché de te débarrasser de ce cinglé, mais c'est good ça. Moi pareil, j'aime les cinglés. Ok, je vais aller parler à l'autre, toi, s'il n'a pas changé d'idée. Salut, c'est fait à force de se... Pas ça. Tiens-toi. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Dans les cas présents, c'est agréable. Attends, nous étions jeunes aussi à notre arrivée. Il y a bien longtemps, mais je me rappelle encore de notre fougue. Pourquoi êtes-vous ici? Vous travaillez chez Tower Pardy, nous voulions savoir à votre place. Mais depuis, nous entendons, vous attendez quoi de pouvoir entrer? Un garde nous a dit d'attendre, alors on attend. Quel garde? Je ne me rappelle plus trop. Où était-il? Aux portes. Je n'ai pas attendu. Je ne vois rien. Si vous voulez pas. Je dois trouver un équipage. Je sais pas. Je cherche. J'ai autre chose à faire. Bon. Vous trois. Je cherche un insecte prêt à m'aider. Tant moi alors. Ben tabarnak. Toi? Pardon, je cherche un insecte pour me donner un coup de main. Pas de chance, je n'ai pas de pattes. Je cherche un essai après m'aider. Dans moi alors. Pas de chance. Pas de chance. Toi, t'as de la bande? Il me parle même pas. Vous deux? Ah non, pas les araignées. Quelqu'un ici dedans qui veut m'aider? C'est pas un rocking guard.
Alors les tentacules. Tentaculés. Excusez-moi. Pas maintenant, j'ai du travail. Là-dedans? Je peux y aller, moi. Toi? Pardon, je cherche un insecte pour me donner un coup de main. Pas de chance, j'ai pas de patte. Toi, t'as pas. N'importe où, tu n'es pas. Bon, fuck you. Ouais. J'ai un insecte pour m'aider. Sans moi. Bon, toi? Sans moi. Toi? Il me parle même pas, campier. Oh! Sans moi! Pas de chance, ben non! Il veut même pas me parler. Toi? Oh, je bienvenue au représentant de Tower. Non, parfait, j'ai besoin d'accéder à Tower. Je vois la voix. Et la voix royale, tous les insectes. Oui, je suis arrivé ici, Tower, la sécurité est impossible. Ouais, mais comment faire pour y rentrer? La réponse à vos problèmes? Vous êtes un automate. Comment entrer en Tower, monsieur? Eh bien, il faut attendre comme tous les autres. Ou bien. Non, il y a une projection. Oui, une projection. Et je crois que vous pouvez passer par là. Par la projection, vous croyez? C'est ce que j'ai vu personne essayer. Splendide, merci. Longue vie à Tower. Putain. Ah, c'était un spectacle jamais vu. Pardon, j'ai une question à vous poser. Je cherche une main d'œuvre pour le travail. Est-ce que un perce-oreille s'auto-perce les oreilles? Des mers, si, c'est ça. Le vrai cauchemar de nature, ça vous paraît vendeur? Je changeais de cauchemar par merveille. Ah bon? Oui, le cauchemar, ça risque de faire fuir le charlan. Croyez-moi, je suis vendeur. Vous avez sûrement raison. Merci, l'ami. Pas de quoi, dites. Où puis-je trouver de la main d'œuvre? Il y a un insecte puissant qui pourrait vous arranger le coup. Ça m'a tu l'air d'un type louche, c'est un entrepreneur. Et je vois, comment je le contacte. Le grand sage vous dira où aller. Donne-lui le mot de passe, l'occasion fait le hameton. Hameton. Bon, le grand sage. Écoute la voix de la raison qui l'amène, toi, là. Ah, le grand sage est ici. Grand sage! Occasion, fais-le à Newton. Comment connaissez-vous ce mot de passe? Je rends service à un certain insecte. Il m'a dit que vous me donnez ce mot de passe. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Passez à l'arrière, allez-y. Bon, ok. Main d'œuvre! Tiens, c'est vous, monsieur Sam. Sam, ça. Grégoire Sam. Eh oui, voilà Grégoire, mon ami. Votre séjour au gramophone s'est bien passé? C'est-à-dire, j'avais des affaires à régler. C'est vrai que vous êtes parti en vitesse. Mais il paraît que cette histoire de certificat s'est bien terminée. Oui, j'ai réussi à l'obtenir. Un certificat de quoi, au juste? Je ne sais pas trop, mais c'est grâce à lui que je suis ici. Oui, votre présence est en atteste. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la ville, jeune homme? Pas longtemps, quelques heures. Et vous savez ce qui les empêche de ce petit coin de paradis de se casser la gueule, non, Tower? Tower, vous avez entendu celle-là? Allez, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Dites-moi qu'est-ce que vous pouvez... Dites-moi qu'est-ce qui vous pousse à venir me voir cette fois-ci. J'ai besoin d'ouvriers pour la cinématographie. Ah, la boîte à images. J'adore la boîte à images. Maestro Titorelli va présenter sa dernière œuvre. J'ai tourné dans un de ses films, je vous signale. Je jouais un policier, ça vous fait rire? J'espère bien que non. Inspecteur Cafard et le dard mortel à l'entrée de Tower, ça s'appelle un bon film policier réaliste. Je n'y manquerai pas. Pour ce qui est de votre demande, je vais vous trouver vos ouvriers, c'est vrai. Je vous l'ai dit, j'adore les films. Faites savoir à Titorelli que je m'occupe de tout. Maintenant, allez lancer la projection. Mes hommes seront à leur poste. Oh, merci, Titorelli! Où est la vraie Gwen? Comme ça les dots. Comme ça quand j'en ai dans mon cul. Plein de dots dans mon cul. Salomon. Y'a rien à faire, je suis Salomon. Na 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 na.
prêtresse Gwen. La prêtresse de OnlyFans. Tavia. La barnaque est plus là. Qu'est-ce qu'il a bougé de place cette tabarnaque là? D'abord en haut, bon. Je suis rendu en haut tantôt, c'est pas par là que j'ai passé. Il est là! Bonjour! Ça marche pas. Chiennasse. C'est là, faut y aller! Je regarde la projection. Ah là, ici, peut-être. Peut-être je vois là. Lance-toi, faut jouer à la mairie peut-être. Tout ça éclate au grand jour. J'espère que vous allez pouvoir aider la projection. Je sais pas trop ce que je peux faire. Elle éclate au grand jour. Bon.
Là, c'est la première séance. Je m'assieds où, moi? Ah, faut peut-être que... Il y a peut-être quelque chose que je faisais sur le film. Oui, c'est mon... Dieu à moi, pas touche, mais... Il mort, mais... Non, ta-da-da, mais il mort, mais il mort. Ah là! Non? Là! T'es malade! La première séance, c'est le passage, là. Bon, okay. C'est moi l'artiste de la faim. Eh bien, quoi de neuf de votre côté? Je crève de faim. Vous auriez la gentillesse de monter ce mât. Il y a une pomme là-dessus. Là-haut, je dois lancer la projection. Regardez un film, l'estomac vide, horrible. Un estomac qui gargouille fâche tout le plaisir. Très bien, si je monte ce mât pour faire tomber la pomme, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Qui est son estime de moi que ça... Elle a la pomme, sti. Ah, elle est là. Ah! 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 Télé! Elle est écrasée, je pense. Fuck! Je l'ai, elle m'a écrasé la tabarnak de pomme sale!
Merci beaucoup, elle est délicieuse. Allez, lancez la projection et bonne chance. Comment savez-vous? Allez-y. Bon. Je sais comment on peut lancer ça, moi, là. Ah, oh, tabarnak. Et je te redonne un peu et oublie toutes les sottises. Ok. Je peux rien dire. Ah, ça. Et c'est Caribou, Bernard. C'est quoi ces cris? Et vous? Bon ben, ça va. J'ai toutes mes chances de survivre. Caribou, le tueur, c'est Caribou. T'as vraiment que la drogue est forte. Enfin, j'y suis! Bon, est-ce qu'il y a un accueil chez Tawa? Il est devant toi. Allô? Bienvenue chez Tawa. Veuillez décliner votre nom. Je m'appelle Gregor Sansa. Quoi? Sansa? Mon fils? Père? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu chez Tawa en tant qu'insecte, c'est décevant. Mais tu es là aussi, père, c'est mon choix. Dans tous les cas, si tu avais suivi mon idée d'une usine d'amiante, c'est donc de ma faute. Et à cause de l'état de marche, ta mère non plus n'était pas très spartante. Père, il faut que je parle au responsable de Tawa. Je veux retrouver mon ancien corps. Et mon ami a des ennuis. Je crois que les deux sont liés. Ton ami, celui dont tu vantais sans jamais daigner nous le présenter, même insecte, tu ne changes pas, père. À mon retour, je ne manquerai pas de dire à mère où te trouver. Je te le défends, elle serait capable de venir me chercher, j'ai un poste respectable ici. Tu travailles à l'accueil, père, pourrais-tu me laisser parler à un responsable? Ça serait l'administrateur. Tu as un rendez-vous? Dis-moi que tu plaisantes. Je vérifie sur le calendrier, alors... Février de l'année prochaine. Visiblement, mère va savoir où tu te trouves. C'est du chantage. Alors, oh, je viens de voir. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Au revoir, père. Prends soin de toi, Grégor. Prends garde à l'administrateur. C'est un tordu. Je ne suis pas le Grégor que j'étais, père. Tu es le même étincelle dans l'œil qu'avant. Durant mon voyage de Leipzig en solitaire. Bonne chance, mon fils. Alléluia. Alléluia. Pénétrer. Bonjour, monsieur. On se connaît pas. J'ai reçu des lettres. Enfin, la lettre, ou plutôt, j'ai trouvé par hasard une lettre, mon cher Grégor. Grégor, je suis ravi de vous voir. Ravi, naturellement. Vous voilà enfin. Vous m'attendez, monsieur? Oh, laissez tomber le monsieur. Appelez-moi Gustave, mon ami. Très bien. Très bien, Gustave. Un verre. J'ai un excellent alcool de papillon de nuit. Aux sécrétions fermentées. Ça arrache presque autant qu'un pesticide. C'est très aimable, monsieur, mais j'ai bien compris. Gustave, tout court. Allons. Pardon. Vous m'attendez, Gustave? Bien sûr. Je vous suis et je vous soutiens depuis le premier pas dans cette aventure. Une institution comme la nôtre doit rester sur la brèche. Certes, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Tout avoir garde un œil sur tout. Assurez-vous, le dit œil est bienveillant. On fait quel est votre rôle à Tawa? Nous jugeons.
Nous sommes un prestataire à moindre coût. Un insecte sont... Les insectes sont idiots pour livrer des documents. Donc, idiot ou idéo? Idiot, c'est avec un... C'est E-D-I-O-S. Ça, c'est des idéaux, des idées. Et jamais vous statuez au tribunal. C'est plus facile et moins cher ainsi. C'est plus facile et moins cher ainsi. Et de point de vue statistique, les résultats sont les mêmes. Mais vous ne connaissez rien des affaires. Mon cher Grégoire, le système n'est pas fait. Je sais bien, mais c'est précisément le but de votre présence. Moi, oui, vous êtes le facteur le plus important pour le processus. En tous les cas, le procès. Celui de votre ami, Joseph, je ne vous suis plus pas. Vous... Qui êtes-vous, son meilleur ami? Vous êtes le seul à pouvoir ratifier son jugement, moi? Mais oui, qui d'autre serait mieux placé et aurait assez de bagages émotionnels? Comme vous le voyez, nous prenons bien garde à choisir la bonne personne pour la tâche. Vous ne voulez pas aider votre ami? Si, et votre aide ne lui sera pas trop. Quant à vous, vous voulez représenter votre... reprendre votre forme humaine, si je m'abuse, oui. À quelle sera la récompense de votre honnête labeur? Je reprendrai le cours de ma vie. Tout à fait. Et que dois-je faire au juste? C'est bien simple. Accéder à la boîte de verdict et au passage à Joseph. Joseph, il va me voir. De l'extérieur, nos boîtes ressemblent à des fenêtres de bureau classiques avec un Judas. L'accusé pense parler à un greffier de l'autre côté, ingénieur. Ingénieuse, n'est-ce pas? Au passage, vous prenez sa disposition, il s'en va, vous rendez le verdict, et vous ratifiez, renvoyez, voilà tout. Mais pourquoi est-ce que moi ratifie son jugement? Parce que vous êtes son ami! C'est facteur humain, vous voyez, le facteur humain, ou insectoïde en tout cas. Nul ne peut vous accuser d'être une machine dénuée d'âme et de sentiments. Et si le jugement est ratifié par le proche des accusés? C'est votre seul moyen d'aider votre ami. Je vois dans ce cas, j'imagine. C'est ce que je pensais. Eh bien, zouk, cap sur la boîte de verdict. N'oubliez pas de respecter les procédures. Quand est-ce que je pourrais rentrer? Juste après l'excès et la résolution de l'affaire. Une goutte pour la route. Non, merci. Et ne décevez pas. Partez, mon ami, la boîte à verdict. Quel endroit ido in. Blablabla. Aux alliés ou moins? Go forest. Est-ce que Gustave allait dire exécution? Quoi qu'il arrive, je dois marcher. Marcher. Ça me dit rien de bon. Tabarnak!
J'étais à la bonne place. J'étais à la fucking bonne place, j'ai changé. Ah, putain de chiennasse. Je suis rendu en bas! Ah, il y a de la colle là! Peut-on pas en savoir, ça, par exemple? Lenny, qu'est-ce que tu fais là? J'avais promis de t'aider. Et il t'envoie boucler l'affaire de ton ami. Oui, comment? Tu sais, il t'a assuré de te transformer ensuite en humain. Oui, c'est leur vieille ruse. Je sentais quelque chose de louche. Est-ce que tu connais la sentence de ton ami, Joseph? C'est bien ce qui m'inquiète, c'est que ça ne dit trop rien. C'est une peine de mort. Comment? Ai-je moyen de l'avertir? Non, non. Si tu le révèles devant Joseph, vous affichez tous les deux. De notre côté, si tu ne livres pas le verdict, ils ne rendront jamais la forme humaine. Mais si je condamne Joseph à mort, c'est la preuve que je suis un nuisible. Je ne mériterai pas de redevenir humain. Il a peut-être un moyen de sauver ton ami. Tu dois détruire Tower. Comment? Retarde Joseph, gagne du temps. Et ensuite, tu dois ratifier le verdict. Ça, impossible d'y couper, mais essaie de déroger au protocole. Comment? Sors du cadre. Si tu enfreins les règles, tu as une chance d'être envoyé en prison. Splendide. De là, tu pourras facilement détruire Tower. De la prison, oui, il y a un certain mécanisme là-bas. Une faille. Tower a l'air solide. Solide, mais inachevé. La construction de Tower n'a jamais été finie. Certaines failles ont été négligées. Pour l'anecdote, l'inachèvement de Tower était un préalable au permis de construction. Bizarre. Ce genre de choses t'étonne encore. En tout cas, détruis Tower et tu sauveras Joseph. Et pour moi, ne t'inquiète pas pour moi. Quant à moi, tout dépend de la façon dont tu géreras la situation. Je vois. Allez, pars, je ne perds pas
ne perds pas ton temps en questions inutiles. Mais il n'y a pas de d'autres moyens, Grégor. Bon, c'était tout pour le live du jeu. Métamorphosis, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!